Le deuxième point, à l'ordre du jour, est le contrat avec Arkea. Dans sa lettre du 18 août dernier, qui est la pièce A0360, la régie a mentionné qu'elle aborderait comme sujet additionnel de discussion à la présente rencontre préparatoire le lien entre le traitement de la demande d'approbation des caractéristiques du contrat avec Arkea, aux pièces B0787 et suivantes, d'une part, et d'autre part, le mode de traitement de cette dernière demande, incluant la date souhaitée par Énergie pour une décision, soit le 10 novembre 2020. La Régie souhaite vous entendre ce sujet dans un deuxième temps après la discussion sur l'autre sujet de la présente rencontre préparatoire. Le dernier point à l'ordre du jour, pour des fins de transparence, la Régie juge approprié de vous aviser immédiatement, plutôt que d'attendre l'audience ou les argumentations lors de l'audience pour énoncer notre préoccupation à ce sujet. Alors, certains intervenants proposent d'autres mesures de mitigation à la croissance des coûts d'approvisionnement du GNR, notamment par la prise en compte des bénéfices engendrés par les attributs environnementaux. Selon nos discussions d'aujourd'hui, certains d'entre vous pourraient recevoir des DDR supplémentaires, notamment en lien avec la compétence de la Régie en vertu des articles 49 et 52 de la loi sur la seule vente ou quelconque disposition des attributs environnementaux acquis lors des achats de GNR. Nous commençons donc, je vais me taire bientôt, nous commençons donc avec le point 1 à l'ordre du jour. Nous entendrons pour député Énergie, puis les intervenants en ordre alphabétique. Alors, le point 1, évidemment, c'est les avis de l'État. Alors, Maître Thibodeau, bien le bonjour et je vous cède le micro. Alors, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Donc, écoutez, je vais essayer de... J'ai essayé de prendre des notes. Si je rate quelque chose que vous avez dit, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me faire plaisir d'adresser tous vos points. Je vais commencer par le point, justement, le point principal dont vous parlez. Écoutez, on a transmis le 15 août notre position, puis on... Je tiens à dire d'emblée, on comprend évidemment la préoccupation de la Régie. Là. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé en bonne chaise en voyant ce que vous mentionnez. C'est-à-dire qu'on constate la même chose que vous. C'est-à-dire qu'on les voit les prix à la hausse. On regarde les résultats de l'appel d'offres qui sont à peu près 50% plus élevés que le résultat de l'appel d'offres qui a eu lieu en 2019. On voit les coûts de production qu'on demande, qui augmentent. On a vu la preuve de l'ACPER récemment aussi qui juge que de toute façon, en fait, que ces prix sont déjà plus élevés que le prix de 25 $ moyen des. En fait, peut-être même pas suffisant. Donc, on voit ça. Puis de l'autre côté, bien évidemment, on a vu les sondages comme vous, on voit les prix auxquels les clients sont prêts à payer, puis le fait que, évidemment, une hausse tarifaire va créer une pression sur la demande volontaire. Donc, évidemment, on voit tout ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on disait qu'on allait arriver avec, évidemment, on est en train de regarder les mesures qui pourraient être mises en place. Maintenant, pour répondre à votre question, on n'est pas d'avis que ça a un impact sur l'étabilité. Donc, on pense que les critères qui sont demandés dans le cadre de l'état D doivent être approuvés, peu importe les mesures qui pourraient être mises en place. Votre question est de savoir, en fait, est-ce que plutôt que d'attendre pour mettre en place des mesures, est-ce qu'on devrait faire dès maintenant dans le cadre de l'état D, c'est-à-dire pour éviter l'érosion, ou est-ce qu'on devrait éviter d'attendre pour proposer quelque chose? Écoutez, on va toujours être ouvert à le faire. À ce stade-ci, on ne pense pas que c'était nécessaire dans le cadre de l'état D. C'est-à-dire, je comprends qu'on parle d'un coût moyen de 25 $ qui est demandé dans le cadre de l'état D, mais évidemment, un prix de 25 $, ce n'est pas pour demain matin. On continue d'avoir un prix pour l'instant qui est compétitif. On a des contrats comme Arkea qui viennent stabiliser le prix à long terme pour un prix intéressant. Évidemment, on n'a pas signé tous les contrats dans le cadre de l'appel d'offres, donc on y va avec les meilleurs prix possibles. Il y a le RCP qui s'en vient également, qui pourrait avoir un impact à la baisse sur le tarif GNR. Il y a les efforts de commercialisation qui, dans les derniers mois, ont été faits puis qui ont une bonne réponse. Là, on a une très bonne réponse, en fait, récemment là-dessus. Puis on voit une bonne augmentation de la demande volontaire. Donc, maintenant, écoutez, on parlait de mesures potentielles qui pourraient être mises en place. Est-ce qu'elles devraient être envisagées tout de suite? On ne pense pas que c'est nécessaire. On ne parle pas d'un horizon de temps de vous les présenter de toute façon dans 2, 3, 4 ans. On parlait de quelque chose de plus rapide que ça. Mais donc, notre position est le fait que ce n'est pas nécessairement dans le cadre de l'état D que ce serait nécessaire de les envisager. Maintenant, juste pour revenir aussi, parce que vous parliez d'une discordance apparente ou le changement de position, puis de vous citiez notamment les notes scénographiques qui ont été
est posée dans le cadre de l'état de fait, puis juste bien recadrer pour qu'on, que notre position soit claire là-dessus. On a toujours, de notre côté, on a toujours prétendu que l'atteinte du seuil, donc l'atteinte des cibles du règlement, n'était pas, était obligatoire, n'était pas facultative. Puis vous rappelez, dans le cadre de l'état B qui avait été présenté, on a vu d'ailleurs des échanges là-dessus où, de notre avis, c'était nécessaire d'atteindre les cibles. Je parlais, je crois, à l'époque, d'une obligation implicite d'aller acheter du GNR. On a eu plusieurs échanges là-dessus. Là, puis on parlait d'obligation implicite d'acheter du GNR jusqu'à la hauteur des cibles et de distribuer justement ce, ce GNR-là. Ce qui avait été décidé au terme de l'étape B, c'était non. Ça, on devait apparier nos volumes avec, non pas la cible, mais avec la demande volontaire. Et on est revenu à la charge, évidemment, dans le cadre de l'étape C, où on a dit, bien, au-delà de la demande volontaire, on propose de socialiser les volumes pour atteindre la cible. Donc, on dit, encore une fois, la cible, ce n'est pas optionnel, on doit l'atteindre, évidemment, toujours au meilleur coût possible, mais on doit toujours viser à atteindre cette cible-là. Maintenant, c'est vrai, vous avez cité, durant l'audience sur l'étape C, Mme Dallaire a eu des échanges avec, avec le GRAM. Je veux juste remettre en contexte, par contre, puis c'est peut-être pas nécessaire de ressortir les notes télégraphiques. Là, vous parlez des pages 13 et suivantes, mais effectivement, à partir de la page 14, ce que Mme Dallaire venait de dire, c'est que c'était une situation qui était exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de volume, il y avait des volumes trop importants à aller chercher pour atteindre la cible. Et ce qu'on vous disait, écoutez, on demande une exception pour cette année, mais elle disait que c'est vraiment une situation qui est à court terme, parce que l'objectif va toujours être, quand c'est possible, d'atteindre la cible. Et par la suite, à la page 15, elle mentionnait, là, elle disait justement... on disait, la question qui était posée, alors si je comprends bien, ce serait pour 2021, c'est clair que ce serait la décision d'Énergir de ne pas socialiser la balance des unités pour pouvoir atteindre le seuil, mais dans les prochaines années, ça pourrait être socialisé dépendamment du montant des volumes qui reste, qui reste pour pouvoir atteindre le seuil. Et ce que Mme Dallaire a répondu, elle dit effectivement, elle dit par contre possiblement pour 2022, donc pour la deuxième année, cette année en cours. Quand on regarde les projections qu'on a déposées, je pense que 2022 pourrait être dans une situation similaire à 2021. Mais à mesure que les injections vont augmenter, on va pouvoir donc socialiser pour atteindre la cible. C'est toujours ce qu'on va essayer de faire le plus possible quand les volumes vont être suffisants pour le faire. Donc, juste pour recadrer, notre position a toujours été qu'on doit atteindre la cible au meilleur coût. Il y a une exception qui a été demandée pour l'année 2021 en raison de l'insuffisance des volumes. Vous avez vu ce qu'on a déposé la semaine dernière, on demande la même chose pour l'année 2022. Mais l'objectif reste a toujours été et reste d'atteindre les cibles fixées par le règlement. Je vous disais tantôt que je vous prendrais votre aide si jamais j'ai peut-être oublié des points sur votre premier élément, là. Mais je pense que ça couvre les différents points que vous aviez soulevés. Possiblement déterminer le montant auquel il devient nécessaire de plafonner
de tarif GNR. Ça, c'est une solution qu'ils présentent dans leur lettre de ce matin. Et parce que, et c'est ça qu'on voulait voir avec Énergir, c'est Énergir avait réfléchi à des solutions comme ça afin de d'empêcher l'effritement, la demande volontaire, parce que l'effritement de la demande volontaire aurait nécessairement un impact sur les caractéristiques du plan d'approvisionnement, parce que si on était à 97 millions plus ou moins de demande volontaire, et là on n'arrive pas à atteindre le 60 millions par année, et bien évidemment les besoins ne sont pas les mêmes. Si on est là pour atteindre les cibles, atteindre la demande volontaire, il y a des inventaires qui s'accumulent. Alors, les caractéristiques que l'énergie recherche dans le cadre de l'étape D, bien évidemment, vont dépendre des volumes que vous cherchez à obtenir. Et les caractéristiques de prix, les caractéristiques de durée, notamment, pourraient être ça va venir influencer notre décision. Alors, je me demandais à ce moment-là si Énergir avait, nous demandions, si Énergir avait réfléchi à des moyens pour contrer cet effritement-là. Là, vous nous dites, ben, ça ne change rien à notre demande, mais puis c'est là que j'aimerais avoir la conversation avec vous. L'effritement de cette demande volontaire-là et le possible effritement, parce que le sondage que vous nous avez donné en preuve, puis peut-être qu'en audience, c'est ça sera clarifié ou bonifié, mais ça laisse présager une descente encore plus rapide de la demande volontaire. Alors, ça vient influencer vos besoins en approvisionnement. Alors, c'est là où on fait le lien. Alors, je ne sais pas si Énergir a réfléchi à cette situation-là et qui pourrait venir modifier les caractéristiques recherchées? Ben, la réponse courte, c'est oui. C'est quelque chose qui est regardé. On regarde différentes options, puisque ce qui était soulevé par ICAQLPA, c'était de détacher le prix. Je comprends qu'on parle de détacher le prix de vente par rapport au coût d'acquisition. Là, c'est une chose qui est envisagée. Maintenant, je le mentionne, je le répète, au point où d'avoir quelque chose de prêt à déposer. Évidemment, quand on aura quelque chose, ça pourrait être déposé. Donc, mais c'était quelque chose qui a été regardé. Là où on a peut-être une discordance, ce que j'essaie de voir avec vous, c'est quand vous parlez que ça pourrait avoir un impact sur les caractéristiques à approuver dans le cas des AD pour atteindre des cibles de 2 % et de 5 %. C'est là où j'ai peut-être la difficulté à comprendre en quoi, justement. Parce que je comprends votre exemple, c'est-à-dire si finalement il y a moins de demandes volontaires, donc le scénario catastrophe, puis il y a pour les prochaines années moins de demandes volontaires que le seuil de 2 % et de 5 %, notre compréhension est que peu importe la demande volontaire, le seuil demeure à atteindre. Donc on doit acquérir les volumes, donc on doit obtenir des caractéristiques qui nous permettent d'acquérir des volumes pour atteindre ces cibles-là, nonobstant la demande volontaire. Maintenant, en parallèle à ça, on est d'accord avec vous qu'il ne s'agit pas seulement de faire ça les yeux fermés, puis si on voit que la demande volontaire ne laisse pas, puis par exemple la commercialisation qui est mise en place présentement ne suffit pas et qu'il doit y avoir des mesures qui soient faites pour essayer d'hausser le plus possible la demande volontaire, ça serait fait. Mais on voit difficilement en quoi ça vient modifier les caractéristiques demandées pour atteindre les cibles dans le cadre de l'étape D. Ben, par exemple, là c'est des exemples, selon des calculs préliminaires qu'on testera en audience, vous auriez assez de volume avec vos inventaires, avec la demande volontaire actuelle, et en socialisant jusqu'aux 60 millions ou 120 millions selon les cas, mais vous auriez assez de volume jusqu'aux 5 %. Donc, vous auriez assez de volume pour atteindre vos obligations de 1 % et 2 %. En vertu des comptes, juste pour être sûr de clarifier, vous parlez de 2 % ou de 5 % qu'on aurait suffisamment de volume? Le 2 % vous seriez capable, avec vos volumes autorisés actuellement, avec parce que les volumes contractés et possiblement livrés, selon la preuve, en tout cas, ça sera testé en audience, mais selon notre compréhension,
avec les inventaires, vous auriez suffisamment de volume pour avoir, atteindre les cibles réglementaires du 1 et du 2 %. Celle du 5 %, ça, c'est une autre question, mais vous seriez capable de remplir vos obligations réglementaires jusqu'en 2024-2025. 2025-2026, c'est une autre affaire. Et là, évidemment, ben, ça change la donne pour le contrat d'Arkéa qui doit débuter en 2023. Est-ce qu'on doit débuter ça en 2023, par exemple? Est-ce que ça peut commencer plus tard? Les prix, est-ce que, je crois que c'est la FCI qui avait mentionné qu'on pourrait dissocier le coût moyen, le premier 15 heures gigajoules des contrats pour avoir un coût moyen pour seulement les nouveaux contrats. Alors, pour pas, c'est des situations comme ça qui pourraient venir faire en sorte que ça puisse venir changer les caractéristiques que vous recherchez. Et puis, dernier exemple, ben, c'est la durée. Parce que là, vous demandez seulement des contrats de 20 ans. Et puis, à des coûts bien supérieurs à ce que la clientèle volontaire est prête à payer. Là, c'est la clientèle qui devrait porter ce risque-là. Est-ce que les contrats devraient être de beaucoup plus courte durée si les montants sont bien au-delà de ce que la clientèle volontaire est prête à supporter? Alors, c'est des exemples. Oui, juste pour répondre à vos différents points, juste d'abord au risque d'être rabat-joie, malheureusement non, c'est-à-dire les contrats actuels ne permettent pas d'atteindre, même avec l'inventaire, ne permettent pas d'atteindre la cible de 2 %. C'est pour ça que quand on a déposé le contrat d'Arkéa récemment, on a dit, quand on a déposé les TAPC, on regardait les volumes contractuels, on se rend compte que les livraisons étaient beaucoup moindres que prévu, puis qu'on avait des volumes beaucoup plus importants à aller chercher. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'un 56 millions de mètres cubes avec Arkéa pour nous permettre d'atteindre la cible de 2 %. Donc on est encore loin, sans Arkéa, on est encore loin de la cible de 2 %. Puis il y a Waga et Carbon Action aussi qui sont dans le... qui sont dans, je cherche mon sens, c'est le pipeline, mais ça semble approprié dans le contexte. Donc, donc non, on n'a pas suffisamment de volume présentement en inventaire pour atteindre le 2 %, encore moins le 5 %, évidemment, on est très très loin. Donc, c'est pour ça que ces caractéristiques-là sont nécessaires. Vous parlez notamment aussi, le 20 ans et les prix qui sont proposés dans le cadre de l'état D. Pour le 20 ans, juste pour clarifier, on ne propose pas que ce soit que du 20 ans. On propose évidemment un prix maximum de 20 ans, comme ça avait été fait d'ailleurs dans le cadre de l'état B. Puis on se rappelle, dans le cadre de l'état B, on proposait 20 ans parce que c'est ce qu'on trouvait en majorité sur le marché. Maintenant, il y a une variété de durée, même si c'est 20 ans maximum qui est approuvé, une variété de durée qui s'est faite. Même principe qui serait ici, mais on demande 20 ans, évidemment, parce que c'est ça qui est demandé par les producteurs, c'est ça qui est demandé sur le marché, puis si on veut avoir des contrats, surtout des nouveaux projets, c'est ça qui est demandé. Donc c'est ça, puis vous parlez au niveau du prix, bien, c'est parce que, puis je vais pas mettre mon chapeau de témoin, je ne veux pas partir, mais on va vous en parler au mois de septembre. Mais évidemment, si vous venez raccourcir la durée des contrats qui peuvent être conclus pour atteindre la cible de 2 % et surtout de 5 %, c'est sûr qu'on vient mettre une pression à la hausse encore plus. On voit que plus que les délais sont courts, plus que les prix vont à la hausse, surtout en tenant compte du nombre important de volume qu'on doit aller chercher. Oui, et puis c'est pas mon rôle d'argumenter aujourd'hui. On fera ça lors de l'audience, mais ça, c'est vraiment pour vous indiquer que nous serons sensibles aux risques que les consommateurs pourraient être amenés à porter, puis l'ensemble des consommateurs, et puis de voir si, parce que vous dites, bien, on prend pas, ça sera maximum 20 ans, on va faire des trucs, des contrats de différentes durées. Mais moi, si je vous autorise 20 ans, vous auriez légalement l'autorisation de ne prendre que des contrats de 20 ans. Et ce n'est pas nécessairement rassurant pour un régulateur tant qu'il y a des risques sur une période comme ça, avec des prix qui sont bien au-delà de ce qui serait supporté par une clientèle volontaire. Alors, on voulait vous révéler aujourd'hui
notre inconfort et de voir si vous aviez des solutions tarifaires afin que la plupart des coûts demeurent avec la clientèle volontaire plutôt que de repasser. Et puis peut-être parce que une autre solution, c'est d'abolir le tarif GNR, puis de faire juste de garder le tarif de contribution au verdissement du réseau, puis de mettre tous les coûts là-dedans, et puis ça sera un cavalier tarifaire à l'ensemble de la clientèle. Ça demeure une solution possible. Évidemment, ça aussi, si c'est la solution qui serait retenue, bien, ça aurait une influence sur votre plan d'impôt pour jusqu'à 2025, jusqu'à l'atteinte du 5 %. Mais je ne veux pas parler pour mes témoins, mais je ne suis pas mal sûr qu'on préférait avoir un certain volume de demandes volontaires que d'une socialisation complète, d'avoir aucun volume pour de la clientèle volontaire et aucun tarif GNR. Maintenant, juste pour recadrer aussi, parce que j'insiste beaucoup sur le fait, on dit, écoutez, nous, ça ne change rien dans nos besoins des tarifs, des caractéristiques établies pour atteindre les cibles, puis le maintien, puis je pense qu'on... Mais je suis sensible à ce que vous dites. On partage les mêmes préoccupations, on voit les mêmes chiffres que vous. Maintenant, vous parlez tout à l'heure, est-ce que c'est dans le cadre de l'étape D qu'on devrait discuter de ces mesures-là? Une crainte qu'il y a, c'est que, deux choses. D'abord, on dit, il ne faut pas ralentir le cadre de l'étape D, puis ça ne change rien à ce qu'on doit être approuvé. Puis de venir, on est quoi, à un mois ou même pas un mois? 15 jours de l'audience. Mon petit doigt me dit que si on venait lancer des propositions, puis je suis sûr que les intervenants vont en avoir eu aussi, puis on venait rajouter tout ça au cadre de l'étape D, on vient prolonger, on vient grossir la bête de beaucoup. Nous, on n'est pas prêts pour l'instant à proposer quelque chose de tout de suite ou de bien ficelé et d'intelligent à dire. Notre priorité pour l'instant est d'étape D, les caractéristiques pour pouvoir atteindre les volumes, parce que le 2 % et le 5 % c'est demain matin, et les volumes qui sont manquants, c'est de plus en plus compétitif sur le marché. On a besoin de ce signal-là et des caractéristiques-là pour aller de l'avant, puis on va pouvoir parler par la suite de Arkia, justement, qui entre là-dedans, là, et de son approbation. Donc, l'inquiétude, les mesures dont vous parlez, ce n'est pas un... Je ne veux pas que ce soit perçu comme un frein de notre côté en disant ça ne doit pas être fait ou on n'est pas d'accord avec ça, de regarder ces mesures-là. Je me questionne par contre si c'est le bon forum dans le cadre de l'étape D à si courte échéance, alors que c'est important d'avoir ces caractéristiques-là qui soient approuvées pour pouvoir aller chercher des volumes sur le marché. Merci, juste un instant. Maître Baudot, je ne sais pas si vous m'entendez trop. Allez-y. Très bien. Il y avait une manœuvre technologique là, qui devait être effectuée. Peut-être vous dire si dans 15 jours, lors des audiences, vous me corrigerez, mais de ce que j'ai vu de votre club et des intervenants, il y a comme un souci de mieux connaître, préciser c'est quoi l'état de la demande, entre autres des institutionnels, qui ont toujours été amenés comme étant la base la plus importante pour le GNR. C'est pas très clair dans votre peur. Vous nous dites qu'il y a un potentiel de centaines de clients, mais c'est pas tant ça qui nous importe, c'est de savoir c'est quoi que vous avez véritablement devant vous et on parle de quoi. Mais il faut que les industriels, surtout les industriels. Alors, c'est une préoccupation, c'est que êtes-vous en mesure, en audience, d'être beaucoup plus précis là-dessus, pour me donner une meilleure compréhension de c'est quoi l'état de la demande volontaire véritable, les perspectives. Vous avez mentionné il y a quelques minutes que non, ça ne sera pas dans 3 ans, mais peut-être plus court, un an pour des propositions. Est-ce que vous allez être en mesure, dans 15 jours, de nous donner un échéancier, quelque chose de plus ferme? De quoi on parle? C'est quoi que vous avez en tête? Pas juste de nous dire, ben, c'est pas peut-être un an, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est... À un moment donné, il y a un certain sentiment d'urgence qui se développe, là, sur l'évolution de différents paramètres de ce dossier-là. Alors, il me semble que de votre part, on attendrait, là, que vous donniez des signaux plus fermes sur comment vous voyez le déroulement temporel de cette affaire-là.
Vous dites non pas dans l'étape D, mais quand, mais quoi et comment. Et moi, j'aimerais bien, en tous les cas, je pense que mes collègues apprécieraient beaucoup, c'est que vous arriviez avec, quand vous n'arrivez pas dans 15 jours, vous dites, si on avait eu la question avant, on pourrait vous y répondre mieux. Là, vous l'avez 15 jours avant. Puis vous l'avez eu en fait le 29 juillet. Là, on ne fait que vous l'exprimer verbalement pour lui donner un esprit un petit peu plus dramatique, si vous voulez. Là. Mais moi, c'est sûr que je m'attends de votre part à être beaucoup plus précis. Là. Puis de répondre à des questions, non pas pour dire on vous revient. Vous le savez, là, on est intéressé à l'échéancier. C'est quoi que vous avez en tête? Il y a des intervenants qui ont soulevé des questions importantes dans leur documentation. C'est quoi? À quoi il faut s'attendre? Alors ça, c'est ma préoccupation. J'espère qu'elle est partagée par mes collègues. Je comprends bien. Je vous rassure, c'est pas trop dramatique, c'est bien entendu. Puis, écoutez, je vous entends bien. Je comprends que l'approche serait pas nécessairement d'arriver avec une proposition, puis les intervenants aussi, et tout le monde, puis que ce soit traité dans le cadre de l'étape D, mais évidemment, vous devriez avoir un portrait au moment de l'audience, c'est-à-dire c'est quoi les mesures, à tout le moins, qui sont dans les cartons, puis c'est quoi les délais pour le dépôt de ces mesures-là, puis plus d'informations là-dessus. Évidemment, je peux pas m'engager tout de suite, j'ai une coupe de regard à faire autour de la salle, là, mais c'est bien entendu, on prend bonne note de vos préoccupations, puis que vous souhaitez qu'on vienne avec ça dans le cadre des audiences sur l'étape D, on prend bonne note. Je vais échanger avec mon analyste parce qu'on n'avait peut-être pas vu cette question-là aussi directement que ce que vous venez de nous la poser. Mais je vais quand même faire quelques commentaires. Vous vous souviendrez que lors des nombreuses audiences que nous avons eues dans ce dossier-là, à un moment donné, la CFQ a soulevé le fait et a demandé à Énergir, mais qu'est-ce que vous faites pour mousser la demande volontaire? Et on nous a répondu à ce moment-là, écoutez, on fait pas beaucoup parce que de toute façon, la demande qui est présente et qu'on a devant nous à ce moment-là dépasse le GNR qu'on peut aller acquérir. Alors, on va attendre de voir tout ce qui se passe avant de vraiment faire mousser cette demande. Maintenant, les prix augmentent et donc il semblerait dans la preuve initiale à l'étape D que cette demande a régressé et diminué. Dans la pièce, par contre, B790 qui a été déposée le 12 août, leur caractéristique du contrat d'achat de GNR, c'est pas parce que je veux vous parler du contrat, mais à la page 23, on parle de l'appariement entre les achats et la demande de la clientèle et Énergir nous dit à la ligne 24, Énergir tient également à informer la régie que depuis ses efforts de commercialisation, mais on comprend que ces efforts sont très récents. La demande volontaire de GNR est en forte croissance aussi bien au résidentiel qu'au petit commercial que pour la vente BGE. Puis là, on... Donc, avant de penser à un but tarifaire, il faudrait peut-être voir et bien encadrer, sous réserve d'une discussion que j'aurai avec mon analyste, les efforts de commercialisation et qu'est-ce qu'Énergie a fait. À l'époque, on disait qu'il devait être pointé, mais pour commercialiser,
Et donc, aller chercher de la clientèle volontaire et quelles sont les limites, parce qu'il est clair que le document de somme qui date de maintenant 2 ans est peut-être plus à jour, quelles sont les limites de la clientèle pour rencontrer les cibles? Parce qu'il est dans l'intérêt de la clientèle générale et donc des clients que nous, on représente, des clients résidentiels, des petits consommateurs, de maximiser la demande volontaire et de savoir peut-être jusqu'à quel prix elle va aller et de quelle façon. Parce que dans les tableaux qui ont été soumis dans la preuve, on indique également, puis c'est un des outils de promotion que Énergir pourrait avoir, ben, si un client achète 50 % de GNR et puis 50 % de gaz naturel, il arrive à un prix équilibré avec l'électricité, par exemple. Alors, il faut vraiment avoir, je comprends que vous ne l'avez pas demandé dans les étapes antérieures, mais il faut avoir un profil, il faut avoir une idée claire et précise du programme de commercialisation et de ce qu'il vise à aller chercher comme volume et auprès de quel client avec ce programme-là. Et en ce sens-là, je rejoins un peu les questions qu'a posées Maître Roy. Ben, c'est quoi l'état de la demande de l'institutionnel? Parce qu'on savait que l'institutionnel devait devenir carboneutre et s'il va à 100% GNR et que le prix est à 25 $, ben, est-ce qu'il les perd vraiment? Ou est-ce qu'il les perd pour 1 an ou 2 le temps qu'il fasse la transition à l'électricité? On n'a aucune idée de ce qui arrive de cette clientèle-là. Alors, à moins que je pense que ça répond à votre première bulle de questions en ce qui nous concerne. Oui, ben, le point 2 pour Archéon, on reviendra plus tard. On va entendre tout le monde sur le point 1. Sur les anneaux tarifaires et puis on reviendra avec tout le monde sur le point 2. Oui, mais c'était juste parce que le document parle des nouveaux apports de commercialisation. Oui. C'était le point là-dessus. Mais je vous reviendrai pour le tarif quand j'aurai parlé à M. Blain. Merci. Merci à Maître Scott. On va passer. J'ai l'ACPER. Ben j'ai l'ACPER avec Maître Marie-Pierre Boutreau. Bonjour. Oui, bonjour Madame la Présidente. Donc, le premier point qui était situé relatif au traitement tarifaire. Touche à plusieurs éléments de la preuve qui a été déposée par l'affaire il y a quelques jours. Donc, je me propose, pour le bénéfice de la formation, de reprendre certains éléments de cette preuve-là rapidement, là, évidemment, puis de vous soumettre la recommandation de l'affaire par rapport à la question que vous avez posée, donc de savoir dans quel contexte et comment est-ce que cette question-là pourrait être traitée dans le cadre de l'étape D. Relativement aux produits GNR, l'acteur qui représente les producteurs considère que ses membres sont en mesure de mettre en place des projets innovants qui permettraient à Énergir d'atteindre ses cibles ou du moins de contribuer à l'atteinte des cibles réglementaires d'Énergir, et que ces produits-là sont associés à un très haut potentiel de valorisation et de monétisation des attributs environnementaux qui sont associés à ces projets-là. L'ACPER note que ces projets de production de GNR ont des coûts de production et des coûts d'interconnexion qu'elle envisage qui sont élevés pour plusieurs
que l'ensemble, et selon là, les producteurs, selon les membres de ma cliente, l'ensemble de ces projets de lieux d'enfouissement qui ont un potentiel de production de GNR intéressant, là, qui peut être commercialisé, sont tous en marche sur le territoire québécois. Les projets qui s'en viennent pour la région du Québec sont des projets notamment en milieu agricole. Donc, on s'attend à des coûts de mise en place plus élevés et à des coûts d'interconnexion également plus élevés, puisqu'il faut considérer là, les normes réglementaires de localisation de ces projets-là, etc. Donc, on s'attend à ce que, donc évidemment, les membres de la CPER sont prêts, ont des projets innovants à mettre en place. Ces projets-là peuvent requérir des coûts de production et d'interconnexion plus élevés, mais il faut aussi considérer que ces projets-là sont très innovants au niveau de l'intensité carbone et ont un potentiel de valorisation et de monétisation très intéressant. Les projets agricoles ont une intensité carbone négative, donc les potentiels de valorisation pour notamment la clientèle volontaire sont assez intéressants. Et à cet égard, là, on a fait des prix du sel qui augmentent, mais également les prix du marché fédéral qu'il faut considérer là, depuis la décision du renvoi de la Cour. Depuis le renvoi de la Cour suprême sur la taxe carbone au Canada, les prix fédérales vont devoir être suivis ou corrélés jusqu'à une certaine mesure pour le marché du sel québécois. Et donc, on s'attend à des prix assez élevés au niveau fédéral, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, qui, selon la CPER, doivent être considérés dans l'analyse des coûts du GNR. Et donc, dans ce contexte, la CPER considère que la stratégie d'énergie par rapport à l'acquisition puis à la valorisation des attributs environnementaux de ces produits GNR pourrait faire l'objet d'un examen dans le cadre de l'État C et pourrait potentiellement présenter une solution relative à l'impact tarifaire de ces coûts de production qui augmentent. Tant au niveau du GNR que, je pense, comme mon confrère Maître Bodou le notait, le coût du gaz augmente également pour ces mêmes raisons. Donc, la valorisation des attributs environnementaux pourrait, selon la CPER, présenter une solution à la minimisation de l'impact de ce produit-là sur le tarif d'énergie. Donc, c'était les commentaires de la CPER relatifs à cette première question. On note également, là, j'en profite étant donné que ça a été soulevé par Maître Thibodeau, évidemment, les projets qui sont envisagés par les membres de ma cliente nécessitent un certain temps là, de mise en place, d'approbation du projet, puis de démarrage. On l'a fait dans notre preuve, mais il faut s'attendre à des projets qui peuvent nécessiter de 3 à 5 ans pour être mis en place. Donc, évidemment, les membres sont prêts, je pense qu'ils sont avides et enthousiastes avec leurs projets qu'ils ont développés jusqu'à maintenant, mais ils attendent effectivement un signal de la part du régulateur afin que ce projet-là puisse naître puis se développer. Donc, c'est ce qui conclut là, les représentations qu'on voulait faire par rapport à ce premier point. Je voulais vous poser 2-3 questions juste pour comprendre si jamais j'embarque dans l'étape D tout de suite parce que c'est vraiment pas l'examen qui doit avoir lieu juste à l'audience, mais je compte sur mes collègues pour me rappeler à l'ordre et puis vous-même. Mais vous avez dit, puis là j'ai peut-être pas capté comme il faut, on veut présenter quelque chose lors de l'étape D, mais j'ai rien vu dans votre mémoire de concret pour l'étape D sur comment vous voulez faire en sorte que cette valorisation-là des attributs environnementaux, avez-vous quelque chose de précis que vous entendez déposer en septembre puis que vous n'en avez pas fait part encore ou c'est dans la même mouture que mon collègue Maître Roy parlait tantôt de dire ben ça s'en vient, c'est quelque chose, est-ce qu'on y serait capable, est-ce que la CPER serait capable de déposer un échéancier sur ce qui s'en vient, ce qu'il est capable de faire? En fait, ce qu'on avait
avait tenté d'obtenir de la part d'Énergir, c'était justement de mieux connaître sa stratégie d'acquisition des applicants environnementaux. Notre proposition, puis peut-être qu'elle manque d'idées, mais notre proposition de manière générale est d'encourager la monétisation des applicants environnementaux qui sont dans certains cas acquis par Énergir, d'encourager cette monétisation-là pour que l'impact de tarifaire, pour réduire le coût d'acquisition du produit QMR. L'affaire avait bien l'impression là, que cette solution ressortait de la preuve qu'elle a soumise plus récemment. Peut-être qu'elle manque d'idées. Je crois cependant que c'était dû en raison au fait justement de la nature un peu plus vague de la stratégie d'Énergir et des réponses qu'on avait obtenues par rapport à cet élément-là, de savoir est-ce que premièrement les habitants environnementaux pourraient être acquis et deuxièmement dans quelle mesure est-ce que ça serait valorisé. L'acteur considère que c'est un sujet qui devrait être traité dans le cadre de l'État. Au niveau de la spécificité, on a fourni là, le niveau de détail avec lequel on pouvait se prononcer. Je propose peut-être de valider avec mon analyste à voir s'il y aurait certains ajouts qui pourraient être faits puis vous revenir. Merci. Et là, c'est un message à vous et à tous les procureurs qui nous parlent de monétisation des attributs environnementaux. On va vous demander la compétence de la régie sur cette monétisation-là, parce que nous, on réglemente la vente de gaz. Évidemment, là, ce que vous parlez, c'est de monétisation d'un, je sais pas si c'est comme ça, là, mais d'un sous-produit du GNR. Et c'est pas que c'est impossible, mais ça devrait se faire dans un certain cadre et il faudrait que ça se fasse. Et là, c'est vrai pour tous les procureurs qui ont parlé de monétisation des attributs environnementaux. Vous ne dites pas ce que vous attendez de la régie par rapport à ça. Est-ce que c'est simplement une soustraction du coût d'achat ou est-ce que c'est une ordonnance de faire ou de ne pas faire ce que vous demandez à Énergir? C'est très flou et vous n'êtes pas la seule. Là. Tous les procureurs qui ont parlé de monétisation des attributs environnementaux souffrent du même flou artistique sur ce que vous demandez à la régie de faire avec ça. Et évidemment, et là ça vous concerne plus, sur la compétence de la régie de faire ou de ne pas faire ce que vous lui demanderiez de faire. Parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi. Évidemment, ça, c'est notre point 3. Message du commanditaire, là, à tous ceux qui parlent de monétisation. Mais, et là, j'ai une question plus précise. Est-ce que l'ACPER, et puis ça sera abordé dans le cadre de l'audience, mais est-ce que l'ACPER considère la clientèle d'Énergir? Parce qu'Énergir est un distributeur, elle achète pour ses consommateurs. Pour ceux qui achètent ces services de distribution, elle est liée avec ce qu'elle est en mesure de vendre à ses consommateurs. Et là, dans votre discours, vous parliez de j'ai mes coûts de production, mes coûts, mais j'ai également une valeur au marché pour mes attributs. Et là, je n'ai pas capté très bien sur laquelle des deux valeurs vous vous appuyez pour mettre le prix au GNR. Et une question qui sera discutée dans les audiences, ce sera sur quelle valeur vous vous appuyez pour demander le prix et est-ce que vous considérez l'étude de marché qu'Énergir vous soumet, dans le fond, de ce que cette clientèle volontaire est prête à payer pour cette matière-là. Parce qu'évidemment, et là, ça revient un petit peu dans ce qu'on le plan d'appro. Si la régie n'autorise pas un certain prix ou d'aller au-delà d'un certain
peut juste vendre au-delà de ce prix-là, elle va devoir chercher des marchés à l'extérieur du Québec. Ça va être à considérer et à nous amener peut-être dans le cadre de l'audience. C'est bien. Alors, à moins que vous ayez d'autres représentations, ça va être beau? C'est bon, c'est complet pour maintenant. Merci. Oui, alors bonjour. Bonjour Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Régisseurs. Donc, Maître Geneviève Paquet pour le Grand. Donc, on avait annoncé quelques minutes là, pour vous exprimer nos préoccupations et puis ensuite notre position là, sur les questions que la Régie avait. Donc, premièrement, on comprend là, de la position qui a été exprimée par Énergir dans sa correspondance du 15 août. Qu'elle poursuit ses réflexions concernant les avenues tarifaires qui pourraient permettre d'encourager l'achat volontaire et que ces mesures n'auraient pas d'impact sur les caractéristiques qu'elle demande à la Régie d'approuver lors de l'étape D, puisque son approche vise à s'approvisionner en GMR pour répondre aux quantités les plus élevées entre les seuils réglementaires ou la demande volontaire au meilleur prix possible. Maintenant, on constate, comme ça a été mentionné là, par Madame la Présidente là, en tout début d'audience, que Énergir a déposé le 24 août 2022 la pièce B801, qui est l'état de l'inventaire et socialisation du GMR au 30 septembre 2022, dans laquelle elle explique qu'elle ne sera pas nécessairement en mesure de rencontrer l'exigence de 1% de livraison pour 2021-2022. Et elle propose de ne pas acheter ponctuellement de GNR pour se conformer à son obligation réglementaire et également de ne pas socialiser les volumes qui sont en inventaire au 30 septembre 2022 pour pouvoir conserver ces unités-là pour la clientèle volontaire. Donc, pour le Grand, cette situation-là est préoccupante. Selon nous, le règlement qui concerne la quantité de GNR qui doit être livrée par un distributeur de gaz naturel, c'est le fondement même là, de la demande d'Énergir de proposer d'établir un tarif GNR. Donc, les cibles qui sont prévues, qui sont des cibles progressives et minimales, doivent être respectées. L'atteinte des cibles, selon nous, ce n'est pas optionnel, c'est vraiment une obligation réglementaire. Donc, on soumet qu'on doit effectivement agir pour essayer d'éviter l'effritement de la clientèle volontaire. Dans le rapport qui a été déposé dans le cadre de l'État D, le rapport du Grand, qui est coté sous ce Grand 135 à la page 7, c'est pas nécessairement nécessaire de l'afficher, là, mais le Grand annonçait ou énonçait plutôt qu'effectivement, considérant qu'un effort collectif est requis pour l'augmentation de la consommation de GNR au Québec, le Grand serait favorable à une socialisation partielle du surcoût du GNR via un tarif qui serait financé partiellement par l'ensemble de la clientèle d'énergie, qui permettant un tarif GNR plus avantageux pour la clientèle volontaire. Toutefois, on vous soumet que cette recommandation-là doit être interprétée sous réserve du fait qu'une option tarifaire ne devrait pas permettre d'accroître la demande volontaire au détriment de l'atteinte des cibles. Dans la mesure où, pour le moment, ça fait deux ans qu'Énergir décide de conserver les unités de GNR en inventaire en fin d'année pour sa clientèle volontaire, bien que la cible ne soit pas atteinte. Donc, selon le CRAM, on devrait s'assurer que la quantité de GNR qui est livrée par Énergir respecte d'abord les cibles du règlement avant d'offrir un tarif GNR qui serait plus avantageux pour la clientèle volontaire. Si on offre immédiatement un tarif qui est plus avantageux et puis que malgré les efforts d'énergie, on ne réussit pas à atteindre les cibles, selon nous, l'objectif là, du règlement ne sera pas atteint. Donc, c'est pour cette raison-là que, selon nous, la proposition d'énergie de retarder, en fait, de ne pas nécessairement traiter de l'option tarifaire dans le cadre de l'état D, ce serait une bonne idée parce qu'il faut,
quand même laisser à NRG le temps là, de terminer sa réflexion par rapport aux avenues d'affaires qui sont possibles. Et puis, dans cette optique-là, on vous soumet que ça doit quand même être fait rapidement. Donc, on vous soumet que cette proposition par NRG pourrait être faite en cadre de l'étape 2 pour pouvoir là, lui permettre vraiment d'arriver avec une proposition qui a été réfléchie. Puis, si on arrive lors de l'étape B avec une proposition qui est faite plus rapidement, ça ne va pas nécessairement aider là, à la suite du dossier. Donc, je soumets que peut-être l'énergie aura besoin de davantage de temps. Puis, on est d'accord avec cette proposition. Je vous remercie, Mme Paquet. Merci. Maintenant, je vais passer aux intervenants qui avaient indiqué qu'ils n'avaient pas nécessairement d'observation, sauf sous réserve d'avoir entendu les représentations. Alors, je vais demander à la SIG, représentée par Maître Hamelin, si vous avez des représentations à faire au sujet des abus d'affaires. Alors, bonjour, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Régisseurs. Mon analyste a manqué le début de vos commentaires, Madame la Présidente. Alors, si vous me le permettez, je vais peut-être laisser mes collègues continuer s'ils ont des représentations à faire. J'aimerais être en mesure, peut-être à la pause, de pouvoir résumer la teneur de vos propos, ou bien que je pense qu'avec les représentations qui ont été faites jusqu'à date, il peut avoir une idée là, des discussions que l'on a au niveau des options tarifaires. Mais si vous me le permettez, j'attendrai peut-être à la fin là, et vous revenir avec nos représentations de cas échéant. D'accord, mais ça risque d'être vite. Il me reste la FCI et le ROE. Alors, Maître Turmel pour la FCI, avez-vous des représentations à faire? Bonjour, Madame la Présidente. Monsieur donc, Thierry, aujourd'hui, c'est pas André Turmel, c'est moi. Pas de problème. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Régisseurs. En fait, quelques mots en lien avec ce premier sujet. C'est sûr que de par les membres qui constituent la SU a un intérêt à minimiser les impacts qui seront encourus par la clientèle et donc de mieux comprendre les mesures tarifaires et les différents mécanismes qui seront proposés par Énergir pour réduire l'effritement. Cependant, puis c'est ici qu'on vient un peu, on vient un peu se coller sur la position d'Énergir telle que Maître Thibodeau l'a présenté ce matin dans le contexte particulier où la directive ou la décision de la régie à l'égard du fait que c'est le plus haut soit de la cible ou de la demande volontaire qui doit être atteinte. Ben dans ce cas-là, on a de la difficulté à comprendre en quoi ces mesures tarifaires auront un impact sur la détermination des caractéristiques, étant donné que dans le cas présent, bien en fait, ce sera l'atteinte de la cible qui devra être effectuée dans tous les cas. On a tendance à être d'accord ici avec ce qu'a indiqué au départ Maître Thibodeau. Après ça, en ce qui a trait à ce qu'a indiqué Maître Paquet un peu plus tôt, à savoir est-ce que l'étape B ou l'étape E est le bon forum pour parler des mesures tarifaires, mais là on s'en remet à la décision de la régie à ce niveau-là. C'est sûr que si ces mesures-là devaient être présentées dans le cadre de l'étape E, effectivement ça permettrait à Énergir de présenter des mesures et des idées un peu plus développées, un peu plus détaillées. Mais encore une fois, là, on s'en remet à la discrétion de la régie. Je comprends que c'est l'ensemble de vos représentations. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de mettre un terme. Exact. Ça conclut les représentations. Parfait. Bien, je vous remercie de la formation. Il n'y aura pas de questions ou de commentaires. Merci beaucoup. Merci.
être un gueufleur? Avez-vous des commentaires ou des représentations à faire concernant le point des avenues Pellevert? Oui, Madame la Présidente, je ne sais pas si vous me voyez parce que je... Oui. OK, je ne vous vois pas. OK, c'est bon. Alors, bonjour, Madame la Présidente et Maître Richard, Franklin Gertler, donc pour la OEP. Je vais rester bref, mais quand même, vos remarques au début ont ouvert l'horizon sur des questions importantes qui, considérant, doivent être traitées. Et puis, je dis dès le départ que justement, je pense qu'il y a matière d'étudier ces éléments-là à l'étape D et non pas dans un avenir non défini. Je remarque à cet égard que, d'abord, on n'est pas dans un dossier ordinaire. Sur le plan d'approvisionnement par rapport au gaz naturel renouvelable, mais on, parce que c'est l'étape D d'un processus qu'on sait dure depuis un bon moment. Et on veut boucler le bout, si on veut. Et l'autre chose, c'est que, évidemment, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait cette année. Parce qu'on parle au plan d'approche d'énergie, on parle d'une perspective de 3 ans, je crois, si mon souvenir est bon. Alors, pour la question de la socialisation des unités invendues, d'abord, je ne pense pas que ce soit une vraie socialisation, parce que c'est partage entre les clients et pas socialisation, ce serait le. La société at large, selon moi, ce serait 8 millions de Québécois et non pas les 300 000 clients ou 400 000 clients d'énergie. En tout cas, pour la socialisation des unités invendues, nous ne sommes pas convaincus, puis je ne sais pas si on a vraiment fait. Convaincu que quelqu'un a fait l'étude et qu'il y aurait un si gros impact que ça, que cela sur les tarifs. Et ici, je m'abuse, nous, on a fait une certaine étude de la question en 2018 et la socialisation de 100% du GNR, puis pour le seuil de 1% à l'époque, équivalait à un impact tarifaire de 2 cents. Alors, c'est des choses à vérifier, mais je pense justement on doit discuter. Si on regarde les options, on doit savoir de quoi on parle. Deuxième chose, lors de ce, parce qu'on va être en mode de solution, comme dirait mon ami Maître Sigouin-Glas, si on parle de, la, de qu'est-ce qu'on va étudier, et nous, on soutient depuis un bon moment dans le cadre de dossier que la certification Greenie pourrait représenter une valeur ajoutée au GNR qui serait susceptible de favoriser son attractivité, je vais m'exprimer ici, et favoriser la commercialisation. Parce que sinon, on achète un produit de valeur environnementale un peu inconnue. Puis, l'autre chose, c'est que je pense que dans l'étude, puis c'est dans la compétence de la régie, de dire dans une décision que bon, on prend la décision qu'on doit prendre, mais peut-être il faudrait modifier la façon de prévoir l'injection
évaluer l'injection du GNR. Parce que vous aurez la possibilité, dans une décision, c'est dans vos compétences, de recommander au gouvernement que de modifier le cible en fonction de l'intensité carbone de la fourniture, plutôt simplement sur les volumes. Puis là-dessus, je note que la qualité environnementale du GNR varie énormément. Ça va, je ne sais pas, plus 50 grammes de CO2 par gigajoule à jusqu'à moins 300 grammes de CO2 par gigajoule. Alors, ce sont des choses, autrement dit, ça pourrait être envisageable que le cible, finalement, doit être un cible qui permet de faire certains gains au niveau des émissions de GES, qui serait préférable d'exprimer le cible, non pas en termes de quantité, mais en termes de la qualité, en termes d'intensité carbone, de qu'est-ce qui est injecté. Alors, ça fait le tour, Mme la Présidente, pour cette question-là. J'aurai peut-être des très courtes représentations à faire par rapport au traitement du nouveau contrat proposé. Alors, comme j'ai mentionné, nous, on pense que ce sont des questions qui doivent être traitées plus tôt que plus tard. Juste une précision. Simplement une précision. Sur les questions de certification, je comprends que c'est allé. On va avoir un débat là-dedans, sur ce sujet-là à l'audience. Donc, si ça fait partie du dossier, vous n'avez pas pour savoir si dans 15 jours, parce qu'il y a des. Est-ce que c'est suffisant ou c'est au point de vue procédural ou si vous pensez qu'il y a des problèmes? Et sur l'intensité carbone, qu'est-ce qui serait pour vous dans l'étape D pertinent? Parce que vous avez la CIG qui a commenté, la QPER, si je me rappelle bien. C'est quoi votre objet sur ce sujet-là et l'étape D? Et non pas l'étape E, mais l'étape D. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous? Êtes-vous satisfait de l'ouverture qu'il y a présentement ou dites non, il faudrait élargir? OK. Madame la Présidente, si vous permettrez, je ne demanderai pas le pied du rond, mais je vais juste consulter mon analyste là-dessus. J'ai une idée de quelle réponse vous donner, mais j'aimerais vérifier sa compréhension également. Très bien. Oui, non. Je pensais que vous alliez. J'attendais pour. OK. Effectivement, non, on pourrait suspendre. Vous auriez besoin de combien de temps? 2 minutes, 5 minutes? Non, ça va être 1 minute, je pense. Oh, on va vous attendre, il n'y a pas de problème. Merci. Pourquoi laisser la pause pour évaluer et dire après si
bonjour, je pense que c'est une minute sur Saturne et non pas sur la Terre. Bon, alors, pour répondre à la question de Maître Roy, si je comprends bien, si j'ai bien compris les demandes et les décisions de la régie sur la répartition des sujets, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que la question que nous, on vous demande devant la régie dans l'étape D, parce que eux, c'est plus au niveau de la vente puis de l'intensité carbone pour les attributs et tout cet aspect-là que la SIG s'est entendue finalement avec énergie pour le traiter à qu'est-ce qui est désormais connu comme l'étape E. Et nous, c'est que on prend la discussion sur la qualité et non seulement sur la quantité. Autrement dit, de dire que les critères de volume, du prix et de durée soient chapeautés par un critère d'intensité carbone. Alors, je pense que ça peut être traité à l'étape D. Nous avons mis notre position pour l'essentiel, notre preuve là-dessus à la disposition de la régie. Maintenant, si ça demande d'autres compléments de preuves, que si Énergir et d'autres intervenants veulent en traiter davantage, mais je suis certain qu'on peut prendre les arrangements nécessaires. Nous, on pense que c'est correctement, selon les décisions, le cadre qui est établi par la régie, c'est correctement traité à l'étape D. Merci. La réponse est tout à fait satisfaisante. Merci. Merci beaucoup. Alors, à moins que vous ayez des représentations supplémentaires à faire, Maître Cochler, je pense que ça va. Vous avez fermé votre caméra, je vois, alors je pense que ça terminait vos représentations. Oui, le Saturne s'éclipse. C'est parfait. Maître Hamelin, est-ce que vous avez eu le temps de jaser avec M. Savard? Oui, Madame la Présidente, alors je vais faire de brèves représentations. Donc, à nouveau, Paul Hamelin pour la SIG. On est sensible aux préoccupations soulevées par la régie dans le cadre de sa correspondance et exprimées en audience aujourd'hui. Naturellement, tout ce qu'on peut faire pour limiter la socialisation, c'est naturellement à l'avantage de l'ensemble de la clientèle. Alors, naturellement, les propos de la régie, on est très sensible à ça. On est sensible également aux commentaires de Maître Roy, à savoir au niveau d'une étape, ce que je vais appeler étape E, qu'on devrait être en mesure d'avoir de meilleures idées de quand est-ce que ça pourrait avoir lieu et des paramètres de cette étape-là E, puisque quant à nous, il y a une importance certaine au niveau des aspects de commercialisation du GNR et toute la question quant à nous de l'intensité carbone que l'on voulait traiter dans le contexte de l'étape E de façon plus spécifique, qui inclurait également les aspects de monétisation des attributs environnementaux. J'ai compris la position, la question de la régie relativement à la question à l'aspect de compétence, mais quant à nous, on pensait pas avoir à traiter de ces aspects-là dans le contexte de l'étape D, qui était véritablement les caractéristiques d'achat pour le GNR pour atteindre les cibles. Par ailleurs, vous l'avez vu dans notre preuve au niveau des caractéristiques d'achat, on a quand même abordé la question de l'intensité carbone, puisque quant à nous, au niveau des caractéristiques d'achat, ça devrait également être un élément possiblement à considérer. On a également abordé la question de la durée, bien qu'on en avait fait état à l'étape B. Et
avec le succès mitigé des représentations, mais je pense que la problématique soulevée relativement de très longue durée par rapport à une clientèle volontaire qui s'effrite, ben, ça va redevenir d'actualité quant à nous, possiblement dans le contexte de l'étape D. Alors, pour nous, l'étape D va devoir se faire avec, parce que je pense qu'il y a un besoin d'établir ces caractéristiques d'achat-là avec ce qu'on vous a proposé dans notre preuve au niveau d'une précision quant à l'intensité carbone, puis peut-être revoir la question de la durée dans le contexte des problématiques soulevées présentement là, dans la preuve qui est déposée à ce jour. Ça fait à peu près le tour de nos représentations. De faire une petite parenthèse, c'est que on a essayé de
de compartimenter, si je peux dire, tout ce qui était comme l'aspect de valorisation, commercialisation à l'étape E, parce que notamment Énergir nous a indiqué que ils n'étaient pas nécessairement prêts à discuter des arguments ou des aspects du RCP et qu'ils le voyaient à l'étape E. Alors, on se trouve dans une situation où on est un petit peu entre deux chaises. J'ai bien lu la décision de la régie où on semblait dire que l'étape E serait plus un aspect tarifaire, mais quant à nous, tout cet aspect-là de commercialisation va être lié à la preuve qu'Énergir va voir soumettre possiblement à l'étape E et à la preuve que les autres intervenants vont vouloir faire à cet égard-là au niveau du RCP ou encore de la valorisation au niveau de l'intensité carbone qui se ferait à l'étape E. Alors, mais compte tenu qu'on veut à la fois obtenir des caractéristiques au niveau des contrats, mais s'assurer qu'il n'y ait pas de socialisation, on semble vouloir faire les deux présentement en même temps. Et je vous dirais que, quant à nous, c'est un sujet qu'on veut absolument aborder, mais on était vraiment d'avis que ça se faisait à une étape subséquente. Alors, on comprend l'urgence d'agir aussi. Alors, oui, mais je vais juste vous indiquer dans votre mémoire, vous indiquez que vous demandez à ce que soit l'intensité carbone soit indiquée dans les contrats, mais vous ne demandez pas à ce que ce soit une intensité carbone de X. Et quelle proportion de contrats devrait avoir cette quantité-là, vous ne soumettez pas non plus les contrats actuels. Est-ce qu'il y a une façon de mesurer cette intensité carbone-là? Alors, il y a beaucoup de questions pratiques avec les achats et les acquisitions de GNR sur l'intensité carbone. Est-ce que vous voulez qu'on demande ou qu'on ordonne à Énergir? Parce qu'il y en a déjà des volumes. Est-ce que vous souhaitez qu'on ordonne à Énergir avec la certification d'une certaine... d'obtenir une certaine quantification de l'intensité carbone. C'est des éléments qui ne sont pas abordés, mais qui concernant l'acquisition, là, et puis ça nous laisse un peu dans le flou nous-mêmes. Là, et puis, Maître Lassonde, on se rappelait hier que Maître Lassonde disait ben, un régisseur mélangé, ben, ça ne donne pas des bonnes décisions. on va essayer de vous demander de nous éclairer davantage. Alors, pour ça, on a pris bonne note. Je vous remercie. Je pense qu'on va prendre, pour l'instant, vous parleriez à votre analyste, mais on pourrait peut-être prendre la pause, et puis après la pause, tout le monde qui a, pour compléter leur représentation, dont vous serez la première. OK. Vous pourrez... peut-être compléter leur représentation sur ce sujet-là et puis on tombera par la suite sur le sujet 2. Est-ce que ça vous convient? Ce qui vous convient me convient. Parfait. On va prendre une pause de 10 minutes. On va revenir à 11h30. Bonjour. Bonjour, Maître Sicard. Bonjour. Alors, Hélène Sicard pour la CEP de Québec. Après discussion avec mon analyste, les recommandations que la CEP de Québec prête à la régie, c'est en fait de procéder le plus rapidement possible si vous devez adopter des mesures tarifaires, puisque en fait l'expression c'est mettre la charrue avant les bœufs. Les décisions que vous allez rendre à l'étape D sur les sujets de l'étape D pourraient préjudicier votre liberté de décision par rapport aux mesures tarifaires que la régie pourrait vouloir prendre. Alors, de regarder les mesures tarifaires étant décidées en même temps ou avant votre décision finale à l'étape D vous donne une plus grande latitude et une plus grande liberté quant à décider qu'est-ce qui est opportun de prendre comme mesure tarifaire. Donc, c'est la recommandation que nous ferions à la régie.
sujet 1, si vous avez des commentaires à faire là, sur... Ça va être rapide. J'ai l'impression que je vais beaucoup vous casser les oreilles dans quelques semaines, assez déjà, là, fait que je vais essayer de regarder ce cours. Peut-être simplement une petite précision à obtenir avant de passer à Arkia. On a pris évidemment des bonnes notes, que vous pouvez nous entendre dans deux semaines là, sur les mesures tarifaires qui seront envisagées sur l'échéancier pour présenter ces mesures-là. Comme dit notre ami ici, Maître Simon et Place, vous voulez qu'on soit en mode solution. Mais pour ce qui est des mesures proposées par la mesure proposée par ici à QLPA, c'est-à-dire là, on parlait détaché prix-vente par rapport au coût réel d'acquisition. Est-ce que je comprends qu'a priori, c'est la régie aurait une ouverture à ce scénario-là, là, ou qu'elle voudrait nous entendre sur cette proposition-là lors de l'audience sur l'étape D? Mais la régie a certainement l'esprit ouvert et la capacité et la volonté de vous entendre sur ce sujet-là. Ça peut être un plafonnement, là, c'est un exemple, là, mais ça pourrait être un plafonnement du tarif GNR, par exemple, à 15 $ avec le surcoût qui irait dans la contribution sur le tarif de contribution au verdissement du réseau. 15 $, ça peut être, je ne sais pas, ça serait quoi le plafond, là, puis je ne sais pas ce que Maître Neumann lui-même envisage. C'est ce que j'avais pu comprendre là, de sa note. Mais oui, la régie est prête à envisager toutes sortes de scénarios tarifaires qui feraient en sorte que la clientèle volontaire supporterait la majorité des coûts liés à l'achat et à l'acquisition là, de GNR. C'est bien noté. Merci pour la précision. Et on pourrait, à moins que vous souhaitez m'entendre sur d'autres points, on serait prêt à passer à Arkia. On va passer à Arkia. Et là, je vais vous demander peut-être un rappel, si vous aviez fait des commentaires ou si vous vouliez résumer ceux de la date. On l'avait. Sinon, je vais être très décousu, sinon. En fait, c'est le mode procédural. Là, vous avez noté que l'échéancier qu'on a donné, qui était un peu plus long que ce que vous aviez proposé et ce qui était prévu dans la lettre du 13 juillet, parce que nous avons des audiences, on va être deux semaines en audience dans l'étape D. Vous avez demandé la décision pour le 10 novembre et on croit comprendre que c'est le 90 jours, donc vous avez déposé le 12 août, les 90 jours, ça donnait le 10 novembre. On a noté par contre dans le contrat que vous aviez un 180 jours, je pense. Enfin, ça nous amenait au 22 exact. Novembre. On se demandait si avoir la décision en même temps que le reste de l'étape D, en fait, parce que c'est quand même un contrat avec un volume certain, c'était quelque chose qui était envisageable. Du coup, répondre par la question par une question, mais je vous dirais que ça dépend. C'est qu'on parle de quand pour une date sur l'étape. Si vous engagez, on dit tout de suite qu'on a une décision d'ici le 22 novembre, c'est sûr que ça simplifie les choses. En fait, c'est ça notre seule préoccupation, parce que le contrat, effectivement, prévoit un délai de 180 jours. Là. Il va être signé le 26 mai, je crois. Puis, ce qui tombe effectivement au 22 novembre là, pour avoir une approbation de la régie, sinon, Arkia pourrait se retirer. Donc, évidemment, pour la première partie de votre question, c'est plutôt que d'être le 10, que c'est d'ici le 22. Évidemment, on n'a pas de souci avec ça. Maintenant, à votre question de savoir si c'est pour attendre la décision sur l'étape D, ça reste toujours à savoir si c'est dans quel délai. Parce que si je regarde, par exemple, de mémoire, la décision sur l'étape C, c'était 6 ou 7 mois que ça avait pris pour avoir la décision. Donc, ça nous amènerait, si c'est le même délai ici, on parlerait de quelque part au mois d'avril. Une décision sur l'étape D, donc c'est sûr que ça vient, c'est pas les mêmes eaux, puis ça va être des négociations plus ardues avec le producteur. Là. Donc évidemment, c'est sûr que si on a une idée du délai, ça serait difficile de demander de vous engager là-dessus, mais évidemment, c'est là que ça pourrait nous aider à retourner voir le producteur, puis à regarder le sujet. Sans prendre d'engagement, parce que je prendrai pas d'engagement à ce sujet-là, mais si la décision sur l'étape D devait sortir avant Noël, disons Noël étant la période de point milieu, si on devait être en mesure de sortir la décision sur l'étape D avant Noël,
que ça vous cause un problème qu'on sorte la décision sur Arkea en même temps? Et si oui, quel problème que ça vous cause? Parce qu'on a quand même noté, vous avez signé en mai, vous l'avez déposé au mois d'août. Vraiment, ça fait un bon cadeau de Noël. Là, je ne veux pas présumer la décision, mais je pense que ça va être un bon cadeau de Noël. Mais sinon, écoutez, je comprends, sans trop m'avancer, on pourra en parler peut-être avec nos témoins, mais je comprends qu'on a déjà contacté le producteur sans parler de date, mais pour savoir s'il y a une flexibilité par rapport au délai du 22 novembre là-dessus. Il semblerait en avoir une, mais il n'y a pas de date. Ça peut être discuté si c'est au 1er décembre, au 30 décembre ou au mois de janvier, jusqu'où ça pourrait aller. Donc, ce qu'on pourrait faire, je prends note de ce que vous dites, on pourrait faire des vérifications pour Noël, avant Noël, dans ce coin-là, là, à savoir si le producteur serait d'accord à prolonger son délai. Puis évidemment, la variable, l'inconnu qui reste à ce moment-là, c'est est-ce que savoir si on ne peut pas s'engager. Là, ça se peut qu'il y a des aléas, que la décision ne soit pas rendue avant Noël finalement, et seulement rendue au mois de janvier ou plus tard. Donc, écoutez, si jamais vous pouvez remettre ça dans l'état de mais. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de rendre la décision dans ce délai-là qui serait discuté avec le producteur, par exemple avant Noël, ben peut-être, si c'est possible de rendre, avant de rendre la décision sur l'état D, dans ce délai-là, rendre la partie sur Arkea qui est à voir motif à suivre, mais tout le moins, pas mettre à risque le contrat justement en dépassant ce délai-là, puis en risquant de perdre ses volumes-là. Ce serait ça notre préoccupation, c'est parfait, c'est bien noté. La réponse est non. C'est en fait, si jamais la régie jugeait approprié de faire une courte audience, je pense qu'on est déjà à une dizaine de jours d'audience en septembre, donc un de plus, de toute façon, c'est pas si mal. Puis ça me ferait plaisir, donc il n'y aurait pas de problème de notre côté là-dessus. Ça sera en octobre, parce que le mémoire des intervenants est en octobre. Donc, ça vous rajouterait une journée d'audience en octobre. Ça rajouterait nos journées d'audience en octobre. D'ailleurs, petit point de juste intendance, juste pour. Je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'était volontaire, c'est-à-dire dans le nouvel échéancier que vous avez soumis, la dernière date était la preuve des intervenants qui était justement le 7 octobre. Oui. Évidemment, je vous mentionnais que la suite, on verra si c'est par consultation ou audience, mais je prends pour acquis que si c'est par consultation ou même en audience, il devrait probablement y avoir une étape de plus qui est les DDR d'énergie aux intervenants, le cochéant par rapport à la preuve. Qui était soumise. Parfait.
Oui, bien effectivement, c'était, on ne savait pas si il y aurait, vous aurez droit de toute façon à poser des DDR aux intervenants, il n'y a pas de souci. C'était les dates à laquelle ça nous amenait, puis la possibilité d'une audience là, qu'on n'était pas certain. Mais vous aurez le droit, effectivement, là, de poser toutes les DDR pertinentes aux mémoires des intervenants. Que ça va faire l'ensemble de vos représentations sur le point d'Arkéa, donc les procéduraux, là? Oui, oui, ça ferait le tour. Donc, évidemment, comme convenu, je vais écouter évidemment les intervenants, mais donc l'approche qui serait préconisée, ce serait de vérifier de notre côté, là, on parlait d'une date avant Noël, et on reviendrait probablement en cadre justement des audiences, à savoir si ça fonctionnerait du côté du producteur. Parfait. Je vous remercie. Maître Sicard. Bonjour. Hélène Sicard pour la CEF de Québec. Alors, pour le contrat d'Arkéa, ça se déduit de notre preuve au niveau de l'établi, mais vous comprendrez que notre première préoccupation en ce qui concerne ce contrat-là, c'est sa durée. Et le problème avec la durée, on doit l'examiner en conjonction avec les volumes qui sont très importants, c'est presque 1% de la cible de 5%. Alors, dans ce contexte-là, c'est évident que si Énergir peut obtenir de Arkéa un délai supplémentaire par rapport au 22 novembre comme date butoir pour garder le contrat, que vous puissiez vous faire une tête même si les motifs sont réservés et rendus plus tard sur vos conclusions quant à l'état D, entre autres sur la durée des contrats qui devraient être envisagés, ce serait une bonne chose. Parce qu'il ne... Est-ce que ce contrat est intéressant ou pas? La dernière chose entendue clairement, c'est que c'était sur la durée qu'on devrait avoir pris en considération nos considérations pour les motifs de l'état D avant de décider. Oh, OK. Alors, je recule. Donc, un des sujets dont, selon vous, allez devoir décider au niveau de l'état D par rapport aux approvisionnements qu'Énergir va envisager, c'est la durée des contrats que vous allez autoriser. Combien, par exemple, combien de contrats de 20 ans, combien de 10 ans, combien à moins de 5 ans, et nous, ce qu'on vous demande dans notre preuve, là, c'est d'avoir un mix de toutes ces choses-là. Donc, si Arkéa est approuvé, avant même que vous ayez rendu votre décision à l'état D, ça peut avoir des conséquences sur ce qui va être décidé à l'état D. Maintenant, je comprends de ce que mon collègue, Maître Thibodeau, vous a dit tout à l'heure, car qu'il y avait une ouverture chez Arkéa pour prolonger au-delà du 22 novembre la signature finale de ce contrat-là. Je pense que ce serait très important de savoir juste quelle date butoir Arkéa donne, parce que si ça vous donne le temps de vous faire une tête sur l'étape D et sur les décisions que vous allez rendre, vous pourriez, par exemple, dire, bon, ben, on décide que les contrats doivent être sur telle et telle durée, pour tel et tel volume, etc., etc., à tel et tel prix, motif à suivre. Et à ce moment-là, vous prononcez en fonction de la décision que vous auriez rendue, vos conclusions à l'état D, sur le contrat Arkéa. Et vous auriez ainsi les mains complètement libres, je reviens à la même position, pour décider des éléments de l'état D. Et ça, c'est sans que la CFQ ne se prononce sur l'intérêt que
que peut avoir ou ne pas avoir le contrat Arkéa. Pour ce qui est du déroulement de l'instance et de votre décision DV2204, pour nous, la priorité à ce stade, c'est que vous fassiez une tête sur l'étape D. Donc, en conséquence, je dirais, on se pliera au mode procédural que choisit la régie, et ce mode procédural devrait être celui qui permette à la régie de vouer le maximum de temps à l'étape D. Donc, si vous pensez qu'une journée d'audience pour traiter du contrat d'Arkéa vous mange du temps qui serait mieux consacré à l'étape D, ben alors procédons par consultation. On déposera la preuve, on peut déposer des arguments écrits. Si vous pensez que de lire les choses écrites et tout ça vous prend plus de temps que de tenir une audience, ben à ce moment-là, tenons une courte audience, par exemple, juste sur des argumentations. Donc, on vous laisse la liberté de choisir le mode procédural en vous encourageant à choisir celui qui vous permet le plus de liberté, le plus de temps pour étudier les éléments qui sont dans l'étape D, qui devrait pouvoir être pris alors en considération pour décider du contrat d'Arkéa, de l'accepter ou de le refuser. Ça compléterait mes représentations pour que vous ayez des questions. Alors, la formation n'aura pas de questions. Je vous remercie beaucoup, Maître. Merci. Maître Hamelin, pour la signe. Avez-vous des représentations à faire avec, concernant le contrat avec Arkéa? Nous n'avons pas de représentation à faire relativement à ce contrat. Je vous remercie beaucoup. Merci. Maître Boudreau, de l'ACPER. Pas de représentation de l'ACPER. Je vous remercie beaucoup. Maître Thériault. Désolée, Madame la Présidente, je ne sais pas si je pense qu'on ne me voit pas. Mais on voit votre nom, mais c'est le cadre est noir. Désolée, mais en fait, je n'avais aucune représentation. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci. Maître Paquet, du Grand. Oui, bonjour. Eh bien, très brièvement, là, évidemment, on est sensible là, aux contraintes qui ont été évoquées par Énergir concernant la date limite là, pour la conclusion du contrat avec Arkéa. Mais en fait, comme on ne sait pas là, jusqu'où cette date limite-là pourrait être repoussée, ce qu'on vous recommanderait, ce serait peut-être d'attendre là, de savoir jusqu'où on peut aller avec la conclusion du contrat et puis peut-être réserver votre décision là, quand on. Qu'on sera mieux renseigné par rapport à ça. Ça complète. Merci. Merci beaucoup. Maître Gertler? Oui, bonjour. Attendez un instant. Oui, bonjour. Aussi brièvement, simplement pour dire que. Étant donné l'orientation qui semble se décider par rapport à la date D, et nous pensons que le contrat de ce contrat-là devrait être traité dans le même temps, si vous voulez, que la date D. Et notamment parce que nous sommes préoccupés par l'aspect de l'intensité carbone du produit et ça va être en train de discuter dans l'étape D. On ne voudrait pas voir une décision approuvant le contrat tant que
de Tablet ne soit pas terminé. Et je suis, je ne l'avais pas dit, mais je suis un peu les mêmes préoccupations que vous, Mme la Présidente, c'est que finalement, on semble, puis je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la roi, il y a beaucoup de contraintes, mais il faudrait déposer quelque chose aussitôt à la régie, puis ensuite peut-être ajouter d'autres preuves ou amender sa demande, mais il faudrait que le processus soit entamé plus rapidement qu'à la dernière minute. Et je pense que c'est implicite dans ce que je vais dire, nous pensant que le traitement de vive voix serait préférable qu'en consultation. Alors, ça fait juste le tour de mes représentations par rapport à cet aspect-là. Merci. Je vous remercie beaucoup, Maître. Alors, Maître Thibodeau, avez-vous. Je vous garde votre droit de réplique. Oui, je vais garder ce cours, en fait. C'est simplement sur le. Parce qu'on parlait tout à l'heure de parler, de revenir au producteur, par exemple, pour un délai avant Noël. Maintenant, c'est sûr que si on retient, on a une forte préférence à avoir un délai comme ça dans lequel on peut négocier plutôt que de simplement retourner voir le producteur pour demander le délai plus long qu'il est en mesure d'offrir, là, notamment au niveau des relations avec les producteurs. Puis aussi, du côté pratico-pratique pour énergir aussi, c'est parce que si on retarde la décision sur Arkia plus tard cet hiver, pour une raison ou une autre, le contrat n'est pas approuvé. Ça ne laisse pas beaucoup de temps de notre côté pour se retourner et contracter d'autres volumes pour atteindre la cible de 2% qui va être quelques mois plus tard, là, à partir de 2022-2023. Donc, je dirais, ce serait important pour nous de maintenir, si par exemple la date est avant Noël, bien, qu'on s'entende sur cette date-là, qu'on puisse retourner voir le producteur et qu'on revienne là-dessus à savoir si on a réussi à convenir quelque chose. Et si finalement le délai est plus court de sa part, si Noël ne fonctionne pas et plus court, au moins on l'aurait essayé, pour nous donner la date de la plus tardive qui est en mesure de nous fournir. Parfait, je vous remercie. En fait, on se demandait s'il y avait des motifs qui expliquent le délai entre la signature et de nous envoyer ça pour une décision 10 jours avant la date butoir. Y a-t-il des motifs qui sont survenus pour le dépôt, pas de tardif, là, mais plus au mois d'août, là, au lieu de juin, parce qu'on a quand même communiqué fréquemment en mai-juin, on a eu des DDR, des demandes de compléments de preuves et autres, là. Les gens étaient à pied d'œuvre dans le 4008. Il y a des motifs qui expliquent le délai à déposer la demande concernant le cas. Oui, je ne sais pas trop m'avancer parce qu'on parlait de fin mai, effectivement, puis fin mai pour la signature. Je ne sais pas trop m'avancer, mais effectivement, il y a beaucoup de volume dans le dossier GNR, dans les autres dossiers aussi, dans le taux de rendement, dans plusieurs dossiers qui occupaient. On peut vous revenir là-dessus si vous voulez des précisions. Je ne vais pas m'avancer pour vous dire n'importe quoi, là. Dans le cadre de l'analyse de Arkia, on pourra vous revenir là-dessus puis expliquer justement le timeline, ce qui fait en sorte que ça a été déposé à ce moment-là. On reviendra là-dessus sans problème. On vous entendra lors de l'audience, probablement. Oui. Est-ce que vous n'auriez pas objection là, dans le cadre de l'audience à ce qu'il y ait certaines questions qui soient posées à vos témoins sur ce contrat-là? Absolument pas. D'accord, je vous remercie. Alors, je pense que ça fait le tour pour les points d'ordre du jour. Je vous rappelle à tous ceux que ça concerne le caractère flou des affirmations, si vous voulez les préciser. Ça serait apprécié et puis d'être plus précis sur ce que vous souhaitez obtenir de la part de la régie. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée à tout le monde et puis je vous remercie beaucoup d'avoir participé à votre collaboration aujourd'hui. Je pense que ça va être bénéfique pour nos audiences au mois de septembre et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.